Bonjour, alors aujourd'hui nous allons apprendre le cas ambigu. Alors pour commencer, le cas ambigu se produit lorsqu'on a un triangle côté angle, donc ce qui veut dire qu'on a deux côtés et un angle non compris sont connus. Fait qu'on a deux côtés et un angle qu'on connaît. Fait que dans ce cas, le triangle peut ne pas être unique, fait que les mesures fournies peuvent ne donner aucun triangle, un triangle ou deux triangles. Fait qu'on va voir comment on peut avoir plusieurs différentes solutions. Alors, quand nous avons un angle aigu, okay, on doit venir déterminer la hauteur de notre triangle. Fait que la hauteur de notre triangle, on va le calculer en faisant h est égal à b fois sin a. A, B, C et H sont indiqués dans chacun des diagrammes de triangle et je vais pouvoir aller en plus de détails pour vous. Fait que lorsque l'angle A est aigu, fait qu'un rappel que aigu, ça veut dire moins que 90 degrés, et que A est donc plus petit que H, ça veut dire qu'on va avoir aucune solution possible. Parce que comme vous pouvez voir, puisque A est plus petit que B, mais on n'a pas un triangle qui se complète. Donc, on n'a pas un triangle pour cette situation. Là, lorsqu'on a que A est un angle aigu et que A est égal à H, mais lorsque A est égal à H, on a un triangle rectangle. Donc, ça veut dire qu'on a une solution à notre problème. Si on a que A est plus grand que B, fait que A et B, on va avoir un triangle qui existe, mais on veut juste avoir une seule solution. Finalement, si la valeur de A est plus grande que H, mais plus petite que B, ça veut dire qu'on a deux triangles possibles. Le premier est le suivant et le deuxième est celui-ci. Fait que comme vous pouvez voir, on a comme triangle numéro 1 qui était le tout. Fait qu'il faut inclure AB et A, donc l'angle A. Et on a le triangle numéro 2 ici qui forme un angle obtus. Puis ça, c'est quand on a deux solutions, donc deux différents triangles qui pourraient fonctionner pour la situation. Si cependant on a un angle obtus, c'est beaucoup plus facile. Si on a que A est plus petit que B ou que A est égal à B, ben on n'a aucune solution parce que A ne va jamais être assez long pour former le triangle que l'on cherche à former. Cependant, si A est plus grand que B, ben ça veut dire que parce qu'on a un angle obtus ici, on a une solution parce qu'on est capable de venir créer un triangle. Fait que faisons trois exemples ensemble pour s'assurer d'avoir bien compris le cas ambigu et comment identifier si on a un cas ambigu. Alors, nous avons le triangle ABC, sachant que A est de 35 degrés, A, le côté, est de 18 mm et que B est de 45 mm. Donc, ici, nous avons ceci. Donc, on a l'angle A qui est 35 degrés. On a le côté B qui est 45 mm. On a la hauteur qu'on ne connaît pas. Et on a le côté A ici qui est 18. Je le mets plus court dans ce cas-ci parce qu'on ne sait pas quelle est la situation. Fait que j'ai C et B ici. Puis on veut savoir comme ça. OK? Puis un rappel que quand on dit de résoudre, on vient trouver tous les côtés et toutes les mesures des angles. Alors, ici, ma première étape, c'est de trouver H. Donc, H est égal à B fois sinus de A. Ici, B est 45, puis on va faire fois sinus de 35. Lorsque je mets le tout dans la calculatrice, j'obtiens que la hauteur est 25,8. Deuxième chose, c'est que je viens comparer A et H. Ici, A est plus petit que H. Donc, puisque A est plus petit que H,
Ça veut dire que, parce qu'ici, 18 est plus petit que 25,8, il n'y a aucune solution possible. Fait que ça veut dire qu'on n'a pas un triangle parce que le côté A est trop court. Essayons un autre exemple. Ici, on va résoudre le triangle DEF, sachant que l'angle D est de 29,3 degrés, que le côté D est de 12,8 cm et que le côté E est de 20,5 cm. Donc ici, j'ai mon angle D qui est 29,3 degrés. J'ai mon côté E qui est 20,5 cm. J'ai la hauteur que je ne connais pas encore. Et j'ai mon côté D qui est égal à 12,8. Ici, comme j'ai dit, je le laisse comme ça, puis je vais alterner dépendant de combien de solutions que je trouve. Alors, je vais premièrement déterminer la hauteur de mon triangle. Alors, la hauteur de mon triangle, dans ce cas-ci, c'est E fois sinus de D. Donc, j'ai 20,5 fois sinus de 29,3. Lorsque je le mets dans la calculatrice, j'ai environ 10 cm. Donc, ici, j'ai que la hauteur est plus petite que D, mais D est plus petit que E, parce que 10 est plus petit que 12,8, qui est plus petit que 20,5. Fait qu'ici, j'ai deux solutions possibles. Donc, c'est le cas ambigu que j'ai. Fait que ma solution numéro 1, fait qu'ici, si je viens le tracer dans une différente couleur dans mon diagramme, ça veut dire que ici, j'ai le côté D et le côté D prime, parce que j'ai deux côté possible. OK? Il ne faut pas oublier, on vient résoudre. Fait qu'ici, ça va être l'angle E, F, puis ça, c'est le côté F. Fait que ça veut dire que j'ai deux triangles à résoudre. Fait que pour ma solution numéro 1, j'ai le triangle suivant. Fait que j'ai D, E, F, j'ai 20,5, j'ai 29,3, j'ai F et j'ai 12,8. Donc, ça veut dire que ici, je cherche mon angle F, mon angle E et mon côté F. Pour ce faire, pour commencer, je peux trouver l'angle E en faisant la loi du sinus. Fait que je vais faire sin de E divisé par 20,5 est égal à sin de 29,3 divisé par 12,8. On va isoler, donc j'ai sinus E qui est égal à 20,5 fois sin de 29,3 divisé par 12,8. Je vais faire arc sinus, donc ça veut dire que la mesure de mon angle va simplement être 51,6 degrés. OK? Là, l'angle F, ça va être facile. Je vais faire 180 moins 29,3 moins 51,6. Donc, mon angle F va simplement être 99,1 degrés. Fait que si je veux venir mettre ces valeurs-ci, fait que j'ai E qui est 51,6 et j'ai 99,1 degrés. Finalement, je vais venir trouver mon côté F. Donc ici, j'avais ma deuxième, puis là, ma troisième étape. Mon côté F, je vais utiliser la loi des sinus encore, fait que j'ai F sur sin de 99,1 qui est égal à 12,8 sur sin de 29,3. Lorsque vous isolez, vous allez obtenir, OK, en utilisant votre calculatrice, vous allez obtenir que F est égal à 25,8 cm. Alors, j'ai été capable de résoudre le premier triangle parce qu'on en a deux à cause du cas ambigu. Là, ma deuxième solution.
J'ai maintenant. Oups. Ce triangle-ci. Je vais essayer de le faire. Comme ça. OK. Fait que oubliez pas que ici, j'ai un triangle isocèle qui est formé par les deux côtés D que j'ai. Ça veut dire que ces deux angles-ci vont être équivalents. Fait que ici, j'ai 51,6 degrés. Ici, j'ai D, F et E. J'ai 20,5, j'ai 12,8, je ne sais pas c'est quoi F, et j'ai 29,3. Fait que ça veut dire que ici, pour trouver l'angle E, je vais faire 180 moins 51,6, parce que c'est l'angle supplémentaire. Donc, l'angle E va être 128,4 degrés. Ce qui veut dire que mon angle F va être 180 moins 128,4 moins 29,3. Donc, l'angle F va être 22,3 degrés. Et finalement, je vais venir trouver mon côté F. Fait qu'ici, j'ai trouvé 22,3. Ici, nous avons 128,4. Mon angle, mon côté F, pardon, je vais faire la loi du sinus. Donc, j'ai F sur sinus de 22,3 est égal à 12,8 sur sinus de 29,3. Donc, j'ai que F a une longueur de 9,9 cm. Et j'ai donc été capable de résoudre mes deux triangles parce que j'avais un cas ambigu et je ne savais pas laquelle était la situation. Maintenant, nous allons résoudre le triangle RST, sachant que R est 47 degrés, que l'angle R est 47 degrés, que le côté R est de 20 mètres et que le côté S est de 15 mètres. Donc ici, j'ai l'angle R, j'ai le côté S, et ici j'ai le côté R. Je ne sais pas encore sa longueur, fait que je vais le changer une fois que j'ai plus d'informations. Donc R est 20 mètres, S est 15 mètres, j'ai ici S, et j'ai ici T. Donc ici, ça va être le côté T. Donc, je veux déterminer la hauteur. Fait que la hauteur va être S fois sinus de R. Donc, j'ai l'angle qui est 47 degrés. Donc, j'ai 15 fois sinus de 47. Donc, quand je le mets dans la calculatrice, j'obtiens que ma hauteur est 10,97 mètres. Cependant, ici, je peux voir que R est plus grand que S. Donc, puisque R est plus grand que S, ça veut dire que j'ai une seule solution. OK? Fait que ça veut dire que ici, la solution que j'ai, c'est un côté R. Donc, je vais devoir trouver mes autres angles et mon côté T. Fait que je vais venir trouver l'angle S. Donc, j'ai sinus de S sur 15 est égal à sinus de 47 sur 20. J'isole pour S. Donc, j'ai 15 fois sinus de 47 divisé par 20. Donc, j'ai que l'angle S, après que je fais arc sinus, est égal à 33 degrés. Donc, j'ai ici un angle de 33 degrés. Ensuite, je viens trouver mon angle T, qui est 180 moins 47 moins 33. Donc, l'angle T est de 100 degrés. Alors, j'ai ici dans mon triangle un angle de 100 degrés. Fait que maintenant, il me reste juste à trouver mon côté T. Donc, je vais utiliser la loi du sinus encore une fois. Donc, j'ai T sur sinus de 100 est égal à 15 sur sinus de 33. Donc, j'ai T qui est égal à 15 fois sinus de 100 divisé par sinus de 33. Donc, j'ai que T est égal à 27 mètres.
Et donc, j'ai résolu ici mon triangle. Faisons un dernier exemple et donc une résolution de problème. Alors, ici, j'ai un lampadaire dans un parc qui peut éclairer efficacement jusqu'à une distance de 100 mètres. Un point sur une piste de bicyclette est à 150 mètres du lampadaire. Puis la ligne de visibilité de la lumière forme un angle de 23 degrés avec la piste de la bicyclette. Donc, quelle longueur de la piste de bicyclette au mètre près est éclairée par la lumière? Donc, ici, parce que j'ai mon lampadaire, et donc j'ai comme la hauteur, j'ai ici déjà des informations. Fait que je sais que j'ai 100 mètres par ici, mais j'ai aussi 100 mètres par ici. OK? Puis la raison pour cela, c'est à cause de la situation que nous avons. OK? Puis, n'oubliez pas, comme si on aurait déterminé notre hauteur, on aurait déterminé que la hauteur... Fait qu'ici, si on voulait le faire, OK, on déterminerait que ici la hauteur est... Fait que si on dit que ça, c'est A, et ça, c'est B, on aurait B sinus de A. Donc, on a 150 fois sinus de 23. On a donc H qui égale à 150... Donc, ici, ce n'est pas 150. Je suis désolée, j'ai fait une erreur dans ma calculatrice. Ça va être 58,6. Donc, ici, H est plus petit que A, mais est plus petit que B. Donc, j'ai deux solutions possibles. OK? Fait que ça veut dire que ici, ce qu'on cherche, c'est vraiment ceci. On veut trouver cette distance-ci qui est éclairée, qui éclaire la piste de bicyclette. Donc, ce qu'on va devoir faire, bien, on va avoir nos deux triangles. Donc, on va trouver la distance de un de nos triangles et la distance de notre deuxième triangle. Donc, ici, pour commencer, on va venir trouver l'angle B. Donc, l'angle B... On va voir que pour notre premier cas, on va avoir, on va faire sinus de B sur 150 est égal à sinus de 23 sur 100. On va isoler pour B, donc... on a que l'angle B est égal à environ 36 degrés. OK? Fait que ça veut dire que si ici c'est 36 degrés, on sait que de l'autre côté c'est aussi 36 degrés. Fait que parce qu'on vient trouver ceci, puis on connaît qu'on a un angle de 90, ça veut dire qu'on est capable de diviser en deux, fait que D est égal à X plus X. OK? So, ici, on va simplement prendre notre triangle rectangle ici et donc utiliser la loi du cosinus. Donc, on a ici l'angle de 36 degrés. Fait qu'on a cosinus de 36 qui est égal à adjacent sur hypoténuse. On a que X est donc égal à 100 fois cos de 36. Donc, X est égal à environ 81 mètres. Mais ça veut dire que puisque la distance est égale à 2X, on a donc que la distance éclairée par le lampadaire est 2 fois 81. Donc, la distance est de 162 mètres. Fait que puisque c'est une résolution de problème, il ne faut pas oublier notre phrase. Donc, une longueur de 162 mètres
de la piste de bicyclette. Éclairé par le lampadaire.